Bonjour, je m'appelle Sébastien Pitoiset, je travaille actuellement au service communication du musée au Parc Alésia et j'étais dans la promotion 2010-2011. Les meilleurs souvenirs que je garde de cette période, c'est qu'on était vraiment une promo assez soudée. On a vraiment passé des très bons moments avec des projets des fois difficiles, mais ça nous a unis vraiment et du coup les amis que je me suis fait dans ce master, c'est encore des amis aujourd'hui, on se voit encore assez régulièrement. Alors mon dernier stage de M2, c'était au musée au Parc Alésia, parce qu'en fait j'avais déjà fait un stage quelques années plus tôt et ils ont eu besoin d'un webmaster. Vu que j'avais fait un bon stage avant, ils ont voulu que ce soit moi qui m'occupe du site internet à nouveau. J'ai pas vraiment fait de stage, c'était directement un emploi. Concrètement, au service communication du musée au Parc Alésia, on a des tâches assez diverses et variées. Il y a toute une partie notamment sur le web, donc la mise à jour du site internet, son animation, son maintien, mettre à jour des actualités assez régulièrement. Et puis aussi, il y a toute la partie réseaux sociaux qui demande énormément de temps, qui demande une expertise, un savoir-faire, et puis surtout la mise en place d'une stratégie pour que ça fonctionne, toute cette présence. Et puis du coup, il y a toute une partie aussi graphique où on prépare des visuels pour les différentes animations qu'on propose. Il y a vraiment des missions assez diverses qui me passionnent beaucoup et voilà, c'est super intéressant. Si je peux donner un conseil aux étudiants qui débarquent dans le cursus Infocom, c'est de ne pas attendre que tout tombe tout cuit grâce au cours. Surtout, pensez à vous auto-former, parce qu'en cours, vous allez voir une partie des choses, vous n'allez pas forcément voir tout ce qui vous passionne. Et ça, ce sera vraiment un plus lors d'un entretien. Si vous êtes capable de faire des choses que les autres ne savent pas faire, c'est toujours bon à prendre.